On oublie trop souvent le rôle capital qu'a joué le chemin de fer durant les hostilités, notamment durant la Deuxième Guerre mondiale. Et de fait, de par son intérêt stratégique, il était une cible privilégiée. Cible, bien entendu, des combattants lors de l'affrontement franco-allemand, cible également des bombardements alliés, cible également des résistants qui ont fait un travail remarquable, et cible également des Allemands. Un exemple, vous voyez, là derrière moi, je suis à Nogent-sur-Marne pour franchir la Marne, magnifique viaduc de 830 mètres de long qui a été construit entre 1854 et 1855, en seulement un an. Très bel ouvrage, 30 mètres de haut, qui franchit la Marne sur la ligne Paris-Bâle. Et ce viaduc a été dynamité par les Allemands lors de leur retraite le 13 septembre 1944. Donc, ce DVD est consacré à la renaissance du rail. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en 1945, vous l'avez bien compris, le réseau ferré français était exsangue. Juste quelques chiffres. Sur 17 000 locomotives, il ne restait que 3 000 d'opérationnels. Et encore, elles manquaient souvent de pièces détachées. 3 200 ouvrages d'art détruits, c'est-à-dire les ponts, les viaducs, les tunnels, les postes d'aiguillage, les gares, les dépôts. Mais également, ne l'oublions pas, sur 40 000 km de voies ferrées, 32 000 étaient à refaire. Et ce qui est de plus étonnant, c'est qu'en quelques années, quasiment de 1945, 1948, 1950, en 5 ans, eh bien l'effort national a été tel que l'on a remis sur pied le réseau ferré français. Donc, ce numéro exceptionnel est consacré à la renaissance du rail. Un film et 4 bonus. Le film, bien entendu, La Renaissance du rail. Magnifique film en noir et blanc d'André Perrier. 4 bonus. Premier bonus, le matériel. La reconstruction du viaduc de Cisbolozon dans le Haut-Bugey. Un viaduc qui lui a été dynamité, mais par les maquisards. Deuxième bonus, comment ça marche ? Les grues de relevage, et on se souvient tous, étant enfants, de cette magnifique grue de Villeneuve, des grues à vapeur, en hachot. Troisième bonus, des idées d'avance. Des idées d'avance, eh oui. L'emploi du béton armé, ici derrière moi, pour reconstruire le viaduc de Nogent. Troisième bonus, le viaduc de Nogent, qui, je vous le rappelle, a été dynamité par les Allemands le 13 septembre 1944. Et juste un détail, une anecdote, je me souviens très bien, étant enfant, juste après la guerre, en 1945, d'avoir vu, là, les voies ferrées qui pendaient dans le vide au-dessus de la Marne. Et lorsqu'il fallait aller à Paris, par nécessité, eh bien, on était obligé de descendre le talus de la voie ferrée pour prendre un second train qui se trouvait en bas sur la ligne de la Petite Ceinture. Ligne de la Petite Ceinture qui franchissait la Marne, elle, un peu plus loin, à Champigny, et réalisait une grande boucle pour pouvoir rejoindre Paris. Enfin, quatrième bonus, un homme à métier au nom de la France. Une manifestation en 1947 à la gare de l'Est en mémoire des cheminots morts durant les combats. Après la bataille de la délivrance,
dont le déroulement s'est étendu peu à peu à la plus grande partie du territoire français, le chemin de fer se trouve dans un état lamentable. Les bombardements et les destructions systématiques opérées par les Allemands avant leur départ ont semé partout des ruines. De très nombreuses gares sont détruites. Il n'en reste souvent que des pans de murs, des façades éventrées, quelquefois calcinées, des halls métalliques soufflés. Des maisons de cité sont effondrées, où les cheminots étaient logés près de leur travail. Les grandes cités, orgueil du réseau du Nord, ne sont plus que ruines. Des bâtiments de voyageurs sont détruits, aussi bien dans les grandes villes que dans de modestes bourgades, aussi bien dans l'Ouest que dans l'Est, dans le Nord que dans le Midi. Par toute la France, les dégâts sont immenses. Très nombreux postes d'aiguillage et les voies d'entrée de gare qu'il commandait ont été bouleversés. La plupart des grandes gares de triage ont été littéralement retournées et des wagons qui s'y trouvaient ont été arrachés, soufflés, démolis, calcinés. La plupart constituaient des nœuds de voies ferrées importants. Longueau, Les Aubrais, Juvisy, Creil, Saint-Pierre-des-Corps, Villeneuve, La Plaine, Vers, Trappes, Sotteville, Rennes, Le Mans, Blainville, Ternier, et jusque Badan au sud de Lyon, et Miramas, loin dans le Midi. Vu d'avion, le résultat est impressionnant. Dans les dépôts de locomotives, les destructions sont très importantes. Ils ont été parmi les objectifs choisis particulièrement par l'aviation alliée, dans le but de neutraliser les transports allemands. Eux aussi ont été bouleversés, comme les gares de triage voisines. Au milieu des décombres, apparaissent des cadavres de locomotives, des chaudières béantes, des châssis tordus. Les ateliers de réparation, aussi bien de locomotives que de wagons, sont anéantis. Les bâtiments ont disparu. Et les toitures se sont effondrées sur le matériel et les machines-outils. Les ouvrages d'art ont subi de graves destructions. Ils ont été ou bien bouleversés par des bombardements, ou avariés par les sabotages des organisations de la résistance française, et surtout détruits en masse par les Allemands, qui s'en sont donnés à cœur joie au moment de leur retraite. Les grands ponts métalliques, franchissant les fleuves et les rivières, ne sont plus que des ferrailles informes.
De grands et beaux ouvrages en maçonnerie n'existent plus. Certains, édifiés par les premiers pionniers du chemin de fer, avaient résisté à l'épreuve des temps et à l'augmentation considérable de la charge des trains. D'autres, plus récents, notamment ceux dus au grand maître Séjourné, étaient considérés comme des chefs-d'œuvre d'une technique renouvelée. Les uns et les autres ont disparu, anéantis par un vandalisme inexcusable. Sur toutes les lignes, les brèches sont nombreuses, aussi bien en Alsace, sur le Rhin et sur la Sarre, sur la Seine, sur la Loire, aussi bien sur la Marne, en Bretagne, sur la Rance, partout. Même dans les paysages les plus pittoresques de nos montagnes de France. Au total, 120 km de brèches. Voici ce qu'était avant la guerre le réseau de la SNCF. Allô, allô. Voici comment il fut peu à peu démantelé et ce qu'il était devenu après la libération des différentes parties du territoire. Tout de suite, on s'est remis au travail, mais avec de bien pauvres moyens pour commencer. Le gros matériel d'entreprise a été en grande partie détruit ou emporté par l'occupant. Ce qu'il en reste a été dispersé ou caché. Il faut le rassembler, le remettre en état, l'amener à pied d'œuvre. Et précisément, les moyens de transport font défaut. Dans bien des cas, on n'avait que des bras avec des pelles et des pioches. Mais heureusement, beaucoup de bonne volonté, car la tâche est immense. Peu à peu, des pelles à vapeur entrent en action et facilitent le travail. Les ouvriers s'affairent entre les wagons pour les réparer sur place quand c'est possible, ou les dépecer pour en évacuer plus facilement les débris. Dans les dépôts, autour des carcasses de locomotives, on démonte, on découpe au chalumeau pour récupérer toutes les pièces utilisables. Les décombres et l'état de ferraille s'animent. On aperçoit de nouveau, de place en place, les panaches de vapeur. Dès que les premiers déblaiements sont achevés, des cantonniers rassemblent les rails et les traverses récupérables et remettent en état les voies. Dans les gares détruites, des bâtiments provisoires s'élèvent pour abriter les services et pour remplacer les bâtiments à voyageurs disparus.
les dépôts et les ateliers, on bouche les pans de mur avec des planches. On couvre rapidement les toitures béantes avec des bâches ou des moyens de fortune. Et les ouvriers recommencent à travailler, dans des conditions précaires souvent mais avec courage, en suppléant parfois aux défauts de force motrice par les bras de leurs camarades. Pour rétablir au plus vite la continuité des lignes interrompues par de nombreuses brèches, on répare comme on peut les petits ouvrages. Chacun dans sa zone d'action, chef d'arrondissement, de section ou de district, s'ingénie à trouver les quelques matériaux et engins nécessaires pour relever les tabliers effondrés, les consolider par des piles de traverse, lancer sur les brèches des poutrelles récupérées de ci, de là. Et ainsi les trains recommencent à circuler, la vie reprend, les gares s'animent à nouveau. Moins de 2 mois après la libération de Paris, on pouvait atteindre la plupart des grandes villes de province libérées, mais souvent par des itinéraires détournés, pour éviter les grandes brèches qui demanderont des moyens puissants pour être franchis. Les voyages sont encore difficiles et précaires. Les voyageurs sont obligés parfois de franchir à pied une brèche. Ils le font de bonne volonté, heureux déjà de pouvoir circuler à nouveau. À Orléans, en venant de Paris pour se rendre au-delà, vers Vierzon, il faut traverser toute la ville. Chacun s'en va résigner ses bagages à la main. À la traversée de la Loire, sur une passerelle de fortune, la foule se presse. Et puis, continue sur la route au-delà, évoquant les tristes souvenirs de l'exode de 1940. Enfin, on atteint la gare provisoire, installée en plein air, sur la rive sud du fleuve, fatigué mais heureux de retrouver le train pour y prendre place, et continuer cette fois dans le calme et la sécurité, le voyage momentanément interrompu. Sur les grands fleuves, où les grands ponts sont encore détruits, on transborde les voyageurs dans des bacs d'une rive à l'autre. Le réseau démantelé à la libération se reconstitue peu à peu, et le voici au 1er novembre 1944. Mais de grands itinéraires sont encore interrompus. Les voici en pointillés. Il existe encore en effet des brèches nombreuses sur les fleuves et les grandes rivières et il faut pour les franchir des moyens importants. Dès octobre 1944, des chantiers sont entrepris partout. Les fondations seront souvent réalisées sur des pieux battus dans le lit des rivières. Des sonnettes à vapeur entrent en action. Il faut parfois plonger pour explorer l'état des anciennes fondations. Des scaphandriers s'acquittent de cette tâche avec courage, malgré le froid, le courant ou l'obscurité des eaux limoneuses. Lorsque les fondations de pilotis sont terminées, on construit des palais provisoires en bois de charpente. Des ateliers s'élèvent aux abords des chantiers, et peu à peu, les assemblages de rondins et de madriers sont édifiés au-dessus des eaux, et se préparent à recevoir les tabliers qui livreront passage au train. Ces tabliers sont constitués souvent de poutrelles qu'on rassemble de ci, de là, dont un certain nombre laissés par les Allemands. De leur côté, les ateliers de l'industrie privée sont mis à contribution, et les ouvriers, travaillant avec ardeur, à l'abri des regards, apportent ainsi leur participation à la grande œuvre de la renaissance du rail. Arrivés sur les chantiers, les poutres et les tabliers sont posés par divers procédés. On utilise d'abord les grues, notamment celles qui servent en cas d'accident de train, à relever les wagons et les locomotives déraillées. Et puis, les procédés se perfectionnent. On aménage 2 wagons spéciaux munis d'un avant-bec en porte-à-faux qui saisit les poutres et les pose au-dessus de la brèche. Le premier engin permet de lancer des poutrelles de 10 tonnes. Un autre, plus puissant, pose des caissons tout assemblés de près de 30 tonnes. Plusieurs fois, des compagnies françaises de sapeurs de chemin de fer reconstituées vont participer au travail. Installées dans des trains cantonnements, elles apportent leur concours à l'œuvre pacifique de la reconstruction.
Sous l'habile direction de leurs cadres rassemblés, les jeunes recrues font preuve d'une belle ardeur et auront vite acquis l'expérience des vieilles troupes du régiment des chemins de fer. La SNCF a pu faire venir du matériel d'Angleterre, comme ces palets métalliques, qui servent à former des piles provisoires qui pourront défier la rigueur des temps. Dès novembre 1944, les premières grandes brèches sont franchies. Le 21, à Orléans, un train traverse pour la première fois la Loire sur un pont provisoire de près de 300 mètres, dont les 80 poutres ont été posées en 15 jours. Le même jour, à Maintenon, sur la ligne de Paris vers la Bretagne, est rétabli un ouvrage provisoire constitué de pièces et de morceaux, s'appuyant sur les débris de l'ancien viaduc, bouleversé par de nombreux bombardements. 4 jours plus tard, le 25 novembre 1944, à Verbery, à côté des débris d'un ancien pont métallique entièrement effondré, l'Oise était franchie à son tour. Les trains de charbon venant du nord de la France pouvaient reprendre leur itinéraire normal. Devant l'importance du trafic, le pont était doublé peu de temps après. D'autres brèches sont comblées par des ouvrages provisoires partout, dans toute la France. Dans l'Est, les armées alliées apportent leur concours, car la guerre n'est pas finie, et les besoins militaires sont impérieux. Leur matériel est remarquablement conçu, et permet de résoudre des problèmes difficiles, tels cet immense palais métallique qui monte dans le ciel comme une tour Eiffel. Mais l'hiver arrive, et il reste encore beaucoup à faire. La neige étend son blanc manteau sur les gares, où pourtant il faut continuer à établir les voies. Elle couvre les chantiers de construction de ponts, aggravant les difficultés rencontrées qui sont déjà nombreuses. Des inondations à 2 reprises, sur tous les fleuves et les rivières de France, viennent désorganiser les travaux. Qu'importe, il faut travailler quand même, car le rétablissement des transports est vital pour le pays. Pour aller de Paris à Bordeaux, il fallait au début faire le tour de la France en franchissant la Loire à Roanne. Depuis le rétablissement du pont d'Orléans, il faut descendre jusqu'à Montauban, car il existe 2 brèches importantes à Montlouis et à Libourne. À Libourne, un bel ouvrage est aux 3/4 détruit. 5 voûtes sont tombées, 2 autres sont fissurées. Après les travaux rendus pénibles par une crue sévère de la Dordogne, la circulation est rétablie le 16 janvier 1945. Les trains peuvent alors éviter le détour par Montauban et prennent l'itinéraire plus court par Vierzon et Tours. À Montlouis sur la Loire, la brèche s'étend sur la totalité de 12 arches entièrement démolies. Une partie de l'ouvrage provisoire est constituée par 6 tabliers posés par un wagon lanceur. L'autre partie est réalisée au moyen de tabliers militaires Bonnet Schneider qui ont pu être dissimulés aux investigations allemandes. Ce sont des éléments de pont fabriqués d'avance qui arrivent sur la voie montés sur des bogies spéciaux comme des wagons. On les descend l'un après l'autre dans une fosse de montage, on les assemble avec les éléments précédents et on pousse le tout à l'aide de treuils puissants installés sur la rive. Et le 10 février 1945, la circulation est rétablie. Les trains peuvent reprendre de Paris à Bordeaux leur itinéraire normal. Sur le Rhône, en aval de Lyon, presque tous les ponts sont coupés qui réunissaient les 2 lignes de la rive droite et de la rive gauche. À Avignon, le grand pont métallique est complètement effondré. La brèche atteint près de 600 mètres. Les Américains, pressés par les besoins militaires, ont construit une grande estacade en bois. Pendant ce temps, la SNCF entreprend les travaux de relevage de quelques tronçons récupérables de l'ancien pont. Un peu plus au sud, le viaduc qui unit Tarascon à Beaucaire est gravement atteint. Sur les 7 arches de fonte de 60 mètres qui le constituaient, 2 sont effondrées et 3 autres sont affaissées avec rupture à la clé.
on décide d'entreprendre le relevage sans appui dans le fleuve, dont le courant est violent, en appliquant une méthode de décintrement des grands arcs. Après butonnage des arches détruites, des vérins sont disposés à la clé pour exercer des poussées horizontales, jusqu'à ce que la partie supérieure du tablier reprenne sa position normale. Après relevage et ouverture du joint, on le bloque au ciment et on enlève les vérins. La même opération se répète sans difficulté successivement sur les trois arcs affaissés. Cette réussite de la technique française souleva l'étonnement de nos amis américains. Aussi, la remise en service de l'ouvrage le 12 juillet 1945 donna-t-elle lieu à une cérémonie d'inauguration d'une ampleur un peu exceptionnelle, justifiée par l'importance des communications rétablies sur la grande transversale du sud de la France, Marseille, Nîmes, Toulouse, Bordeaux. Et puis, le Rhin. Dès le printemps de 1945, la division Leclerc était entrée à Strasbourg et l'armée de Lattre de Tassigny avait libéré l'Alsace et franchi le fleuve. Dès la fin de mai, au pont de Kehl, des compagnies du génie français sont à l'œuvre. Une pile centrale est disloquée jusque dans ses fondations. On va d'abord la consolider par des pierres de taille jetées dans le fleuve. Et sur cette masse, destinée à résister au courant violent du Rhin, on construit un appui provisoire en béton. Le tablier est constitué, comme à Mont-Louis, par des ponts militaires Bonnet-Schneider, mais renforcés ici par des éléments raidisseurs pour franchir des portées de 60 mètres. Les tronçons sont assemblés à l'avance sur la rive pour constituer le pont entier. Et l'ensemble, d'une masse de 830 tonnes, va être lancé en une seule opération, en s'appuyant sur des appuis préparés à l'avance, dont certains ne seront que provisoires. L'un d'eux même est flottant, supporté par des chalands amarrés. L'opération s'achève heureusement. Il ne reste plus qu'à descendre prudemment le pont sur ses appuis. Et le 7 juillet 1945, en présence du général Delattre de Tassigny, l'ouvrage est inauguré solennellement. L'armée française pourra inscrire à son actif la construction au-dessus du grand fleuve du premier ouvrage sérieux livrant passage à une voie ferrée. Ainsi, peu à peu, les brèches se comblent. Le relevage des grands tabliers métalliques et la construction des grands ouvrages provisoires touchent à leur fin. En même temps qu'on rétablissait la circulation sur les ouvrages d'art, on entreprenait la construction dans les ateliers et dépôts de bâtiments provisoires plus confortables pour mettre les ouvriers chargés des réparations dans des conditions de travail meilleures. On utilise les ressources des constructeurs de charpentes métalliques et puis des hangars anglais dont la SNCF a pu obtenir livraison. Plus de 100 sont installés par toute la France. Ils servent d'ateliers ou de remises à locomotives. Certains sont disposés en étoile sur les voies rayonnantes des anciennes rotondes démolies. Dans les gares de voyageurs, on poursuit la construction de bâtiments encore provisoires, mais plus sérieux et plus confortables, pour pouvoir attendre la reconstruction définitive qui sera souvent subordonnée à des considérations d'urbanisme. Les postes d'aiguillage sont installés dans des bâtiments quelquefois sommaires, mais avec des dispositions suffisantes pour assurer la sécurité par des enclenchements convenables. Sur 688 postes détruits, 470, soit les trois quarts, sont rétablis en un an. Les gares de triage, dont certaines, comme on l'a vu, avaient été bouleversées de fond en comble, ont retrouvé à peu près leur physionomie normale. Et les wagons sont de nouveau lancés à cadence régulière sur les bosses de débranchement. Le trafic reprend partout.
La signalisation normale est peu à peu rétablie le long des voies. Le bloc automatique lumineux, le dernier cri de la technique française, mis hors de service sur 2600 km, fonctionne à nouveau en moins de 6 mois. Le bloc système mécanique, complètement désorganisé sur 9000 km, est remis en état au 9-10 game en moins d'une année. Et les sémaphores, étendant dans le ciel leurs grandes ailes, assurent la protection convenable des trains en marche. Mais il existe encore, sur toutes les lignes, de nombreux ouvrages provisoires. Leur maximum atteint près de 1700 en septembre 1945. Et il faut les franchir à faible vitesse, à un taux quelquefois très bas, 30, 20 et même à 10 km à l'heure. C'est une lourde suggestion pour l'exploitation. Il en résulte d'une part un allongement des durées de parcours, donc une mauvaise utilisation des locomotives et des wagons, d'autre part une consommation supplémentaire de charbon pour la reprise de la vitesse normale à une époque où l'on en est si pauvre. Aussi a-t-on entrepris rapidement la reconstruction définitive des ouvrages d'art où l'on avait établi qu'une seule voie provisoire. Les travaux sont menés rapidement sur les chantiers où l'on reconstitue la situation ancienne. C'est le cas pour un grand nombre de viaducs en maçonnerie auxquels on conservera leurs beaux parements de pierre. Certains ouvrages, déjà détruits au cours de la désastreuse campagne de 1940 et reconstruits une première fois, le sont maintenant pour la seconde fois, tel ce pont de Laversine sur l'Oise, sur la ligne de Paris à Creil. En d'autres points, on entreprend immédiatement la reconstruction définitive, sans passer par l'intermédiaire d'un ouvrage provisoire, toujours coûteux et gênant pour les travaux définitifs. Malheureusement, la pénurie de ciment ne permit pas de commencer immédiatement la reconstruction de tous les ouvrages et certains chantiers durent être interrompus après le déblaiement des décombres. Le viaduc de la Canardière, près de Chantilly, comportait deux grandes brèches. On entreprend immédiatement la reconstruction définitive de la plus importante pour une voie. Pour gagner du temps, on travaille même la nuit, malgré les difficultés d'éclairage et les risques plus grands d'accidents. Pour livrer passage rapidement, on avait décidé de franchir la petite brèche par des tabliers provisoires, soutenus par de légères palets métalliques, qui seront enrobés dans la maçonnerie des piles. Après un effort considérable de plusieurs mois, la circulation sur une voie est rétablie le 1er octobre 1945. Aussitôt après, on entreprend la phase suivante des travaux, qui consiste à reconstruire la deuxième partie de l'ouvrage correspondant à la deuxième voie et à l'élargir pour permettre d'en poser ultérieurement une troisième. Le 1er octobre 1946, la seconde voie est posée à son tour et la circulation normale des trains est rétablie. Par ailleurs, le premier grand pont métallique est rétabli en définitif à Nevers.
Une passerelle de service, munie d'un avant-bec approprié, est lancée de travée en travée pour permettre le montage des arcs métalliques préparés à l'atelier. Le lancement demande une surveillance attentive. Les arcs, une fois posés, sont surmontés d'une dalle en béton armé qui supportera la voie. 6 mois seulement après le début des travaux de montage, la mise en service de la première voie a lieu le 1er mai 1946. Certains ouvrages ont été tellement ébranlés qu'on a dû entreprendre la réfection complète de leurs fondations. À Libourne, on utilise dans ce but des caissons en béton armé construits sur la berge dans une enceinte étanche constituant une sorte de cale sèche. Les caissons sont mis à l'eau, soutenus par des flotteurs et remorqués à leur emplacement au moyen de câbles. Arrivés à destination, on les échoue à leur position définitive. On procède à l'épuisement et on y coule le béton qui constitue les fondations. Puis les voûtes s'élèvent sur des cintres en rail préparés à l'avance. Construit, reprend sa physionomie ancienne. Au pont de Mont-Louis sur la Loire, les travaux de l'ouvrage définitif ont été entrepris aussitôt la construction du tablier provisoire. Il s'agissait de reconstruire l'ouvrage ancien avec des voûtes en gros béton et des parements en pierre de taille à gros joints d'aspect rustique. La première moitié de l'ouvrage est ainsi reconstruite définitivement à côté du pont provisoire sur lequel s'effectuait la circulation des trains. Dès le 4 juin 1946, elle va pouvoir à son tour recevoir la voie sur laquelle la circulation est reportée. Et les tabliers provisoires du premier ouvrage peuvent être déposés par des opérations inverses de celles qui avaient permis de les installer. La reconstruction de la deuxième partie sera entreprise immédiatement et pourra être terminé à l'automne de 1946. Au viaduc de Maintenon, l'ancien ouvrage a été si gravement avarié par les bombardements qu'on a dû prendre la décision de construire à côté un nouvel ouvrage. Au loin se profilent les voûtes endommagées par le temps de l'ancien aqueduc du grand siècle, témoin d'une splendeur passée. Des piles rectangulaires massives vont s'élever pour supporter les poutres droites qui constitueront le tablier en béton armé. Déjà, les premières vont recevoir les coffrages de ces poutres, supportés par des poutrelles à treillis, transportées successivement d'une travée à l'autre. L'ouvrage prend sa forme définitive aux lignes droites et nettes. On pose la voie sur le ourdi en béton, puis les pylônes, supportant la caténaire, car l'ouvrage est sur la ligne électrifiée de Paris au Mans. Le 19 septembre 1946, 2 ans après la destruction, et 10 mois seulement après le début des travaux de fondation, le viaduc de Maintenon est définitivement remis en service. Quant à l'ancien ouvrage, il ne lui restera plus qu'à prendre rang parmi les ruines historiques. À Orléans, les difficultés ont été sérieuses. Il a fallu abandonner l'ancien ouvrage, trop disloqué, et construire le nouveau un peu en amont. Après les travaux de fondation, longs et pénibles, d'immenses cintres en bois s'étendent au travers de la Loire. Les
travaux poussés activement pendant l'été de 1946 sont poursuivis pendant l'hiver, mais au début de janvier 1947, une véritable banquise s'est formée sur le fleuve. Et la débâcle, si elle se produit brutalement, risque de tout emporter. Aussi a-t-on mobilisé l'artillerie pour être prêt à toute éventualité. Heureusement, rien de grave ne s'est finalement produit. Et quelques mois plus tard, à l'été de 1947, l'ouvrage définitif apparaissait reconstruit. Ainsi, les ouvrages reconstruits se succèdent les uns après les autres. Les ingénieurs et leurs collaborateurs, les entreprises, leur personnel de maîtrise et leurs ouvriers sont fiers de marquer les points et de participer peu à peu à la reconstruction définitive totale. Grand effort porte ses fruits. Le nombre des ralentissements sur toutes les lignes est en diminution sérieuse. Fin de 1946, sur 2600 ponts rails détruits ou avariés, 1440 sont rétablis en définitif. Il ne reste plus qu'environ 1000 ouvrages provisoires, alors que leur nombre avait atteint son maximum de 1700 dans le deuxième semestre de 1945. On peut espérer qu'à la fin de 1947, il n'en restera plus que 200 ou 300, alors que le nombre des ouvrages définitifs dépassera 2000. En même temps, était entreprise, dès le courant de l'année 1945, la reconstruction définitive des bâtiments, en commençant, bien entendu, par les plus essentiels pour la vie du chemin de fer, les dépôts et les ateliers. À Longo, près d'Amiens, l'activité est fébrile. En même temps qu'on travaille à la reconstruction définitive du dépôt, on met au point pour le remisage des locomotives un type de rotonde répondant à des caractéristiques nouvelles. Ici, la rotonde se développe sur un arc de cercle permettant d'abriter 20 locomotives sur des voies rayonnantes disposées autour d'un pont tournant. De grands ateliers en béton armé sont reconstruits, suivant des types antérieurs à leur destruction, parce qu'ils correspondent à une technique récente, mise au point entre les deux guerres. Malgré quelques retards résultant de la pénurie momentanée de ciment et d'acier d'armature, des chantiers de reconstruction en activité s'étendent ainsi sur toutes les régions. Une grande rotonde du nouveau type est en construction. Elle s'étendra sur toute la circonférence pour abriter plus de 30 locomotives. Le mur d'enceinte extérieur s'appuie sur des poteaux en béton fabriqués à l'avance sur le sol et qu'on lève les uns après les autres pour les assembler ensuite par des éléments également en béton armé, mais coulés sur place. Des éléments, également préfabriqués, sont disposés en corniche.
Ils ont un profil étudié spécialement pour permettre l'évacuation facile des fumées par les gaines appropriées. La reconstruction d'un nombre important de logements pour le personnel a été entreprise dès le début de l'année 1946. Et déjà, quelques cités de cheminots commencent à retrouver leur visage de paix. La reconstruction définitive des postes d'aiguillage est également poursuivie avec la plus grande activité. Les installations qu'il comporte assurent désormais la sécurité de la circulation des trains aussi sérieusement qu'avant les destructions, quelquefois même avec des dispositifs plus modernes et plus perfectionnés. Ainsi, les chemins de fer français ont repris leur physionomie normale. Dans la grande œuvre de la reconstruction du pays, la renaissance du rail est devenue une réalité. Ceux qui ont collaboré à cette tâche immense, ouvriers et ingénieurs des entreprises, cheminots de tout grade et de tout service, ont droit à la reconnaissance de la France. Cette renaissance du rail nous donne l'espoir de voir bientôt planter le drapeau traditionnel au sommet de la France reconstruite. Bordant la gare, les voussoirs en pierre taillée commencent à s'approvisionner. L'entreprise a construit pour son personnel des maisonnettes conditionnées pour les longs et rudes hivers jurassiens. La desserte de tout le chantier sera assurée par un blondin commandé de cette cabine. On édifie de part et d'autre de la dernière arche côté gare deux plateformes pour la manutention des matériaux à transporter par le blondin. Les travaux de construction commencent. Les fondations des trois piles, côté rive droite, sont constituées par une galette en béton de ciment reposant sur le rocher décapé. En élévation, le fût des piles est en béton de ciment pilonné entre les parements en moellon. Les piles sont hautes. Elles présentent, dans le sens transversal et longitudinal, un large fruit. Sur l'autre rive, côté gare, les deux piles sortent de terre. Il a fallu pétarder jusqu'au rocher Saint les anciennes fondations remplacées par des massifs en béton de ciment.
aux piles médianes, elle s'encastre dans le lit même de la rivière, avec la suggestion du travail dans l'eau et le danger des crues violentes et soudaines de l'Ain. Il faut battre des rideaux de pâle planche métallique autour des anciens bâtardeaux. Après épuisement de l'enceinte ainsi formée, on coulera presque à sec le béton des nouvelles fondations. Mais il reste des blocs d'enrochement, s'opposant à l'enfoncement des pâles planches battues au marteau trépideur. Malgré le courant, un scaphandrier fera sauter sous l'eau ces enrochements, ainsi que les anciennes fondations, tandis qu'une drague à griffes preneuses les dégagera. Sur la rive droite, la troisième pile commence à se dresser. On aperçoit l'évidement un peu élargi pour le passage routier et les murs de soutènement qui en maintiendront les abords. Les piles encadrant les voûtes inférieures sont arrêtées au niveau des retombées. De petites consoles en béton armé porteront les cintres prévues pour le premier rouleau. Les sept cerces en rails de chaque cintre sont montées et contreventées. Les couchis posés transversalement répartiront sur elles les charges du premier rouleau. Le blondin, accidenté au cours d'essai, a reçu un nouveau pylône. On a modifié son chariot de distribution et maintenant, ce précieux transporteur de matériaux alimente tout le chantier sur plus de 200 mètres. Le deuxième rouleau de chaque voûte étant clavé, on monte les murs de tympan. Les ouvriers procèdent au rejointoiement de la douelle des voûtes inférieures. Et on peut voir une des consoles dont nous avons parlé, qui ont servi à soutenir les cintres. La partie centrale de l'ouvrage est désormais hors de l'eau. Quelques voûtes inférieures sont décintrées, d'autres ont encore leurs cintres en attente. La partie haute de l'ouvrage est maintenant en construction. Chaque pile est approvisionnée par un petit appareil de levage. Les cerces des cintres pour voûte sous voie ferrée prendront appui sur des corniches en béton ménagées à la partie haute des piles. Un appareillage aux lignes sobres et rustiques encadre l'évinement du passage routier. Et pierre après pierre, les piles, dont plusieurs atteignent 45 mètres, s'élèvent vers le ciel. Montées une à une au blondin, les cerces pour voûte supérieure sont réglées par ce chef monteur qui, avec sang-froid et agilité, circule à 35 mètres de haut sur des éléments de rail à forte courbure.
Le travail de montage est facilité par la proximité d'une sapine. Aux retombées, d'autres monteurs vérifient l'écartement des cerces, puis les calent sur des boîtes à sable. Les cerces sont montées à raison de 8 par cintre, dont 3 en rive sous chaque bandeau et 2 centrales. Transversalement aux cerces, les ouvriers assujettissent les couchis, qui reporteront sur le cintre le poids du premier rouleau. Toutes les voûtes supérieures ont leur cintre en attente. Les couchis sont en place. L'ouvrage dessine maintenant ses ombres curieusement allongées sur la rivière. Les cintres, très élastiques, seront chargés avec prudence, afin d'éviter leur déformation ainsi que la création sur les piles élevées de poussées qui les renverseraient. Les voussoirs de bandeaux pèsent chacun, suivant leur épaisseur, 700 et 1200 kg. On chargera la clé, puis systématiquement, on approvisionnera en remontant des retombées vers la clé. C'est la construction dite en cascade. Soigneusement repérés par lettres et numéros, les voussoirs occupent leur place définitive. Proche de la clé, un joint de 2 à 3 cm restera vide de liant tant que le rouleau n'aura pas fait prise. Il sera alors maté énergiquement. Préalablement au matage, tous les voussoirs, sauf celui de clé, ont été fichés. C'est-à-dire que l'on a bourré de mortier le vide existant de l'un à l'autre. On a approvisionné entre les bandeaux les moellons de douelle présentant un parement en intrado et recevant en queue un premier remplissage en béton jusqu'à l'épaisseur prévue du premier rouleau. Après exécution des autres rouleaux, l'extrado des voûtes et les dalles d'élégissement des piles reçoivent une chape coaltarée. Pour liaisonner anciennes et nouvelles maçonneries, on reprend au marteau-piqueur la retombée sur la première pile. Sur l'extrado des voûtes, on exécute un remplissage de pierre sèche. L'eau suintera à travers ce matériau perméable pour gagner la chape, puis les gargouilles. On cimente le couronnement. L'ouvrage, qui, sur rive droite, est en courbe de faible rayon, a maintenant son aspect définitif. La voie est posée. Un caniveau en élément préfabriqué, avec dalles formant piste, est mis en place côté amont. Le ballast est répandu et la continuité du rail est rétablie le 15 mai 1950. Le passage routier est lui aussi remis en service, évitant ainsi un grand détour aux automobilistes. La reconstruction du viaduc de Cise-Bolozon assure de nouveau la liaison ferroviaire directe entre la Bresse et les hauts plateaux du Jura. Et pour le voyageur qui voit défiler tout au long du parcours des panoramas constamment renouvelés, n'est-ce pas là, en couleurs naturelles et en relief, un beau documentaire ? Les grues de relevage constituent des moyens de relevage par-dessus. C'est d'abord la grue de 50 tonnes.
Elle est l'engin type des interventions rapides de grande envergure. Elle peut être remorquée à la vitesse de 70 km/h. Son équipe a la même composition que celle du wagon de secours, mais comprend en plus un conducteur de grue et un outilleur. La grue comporte essentiellement un truc à deux bogies, muni à chacun de ses angles d'une petite poutre coulissante. L'ensemble des quatre petites poutres appuyées sur leur calage constitue le petit calage. Au milieu du châssis, une poutre plus importante coulisse par l'intermédiaire d'une commande à cliquet, soit d'un côté du châssis, soit de l'autre. Cette poutre et son appui constituent le grand calage. Aux quatre angles du truc se trouvent des griffes qui permettent de contrôler sa stabilité. À chaque extrémité existe un caisson mobile qui peut être retiré pour obtenir la portée minimale. Le truc supporte la grue proprement dite. La cabine contient la chaudière, le moteur à vapeur et la machinerie. La flèche qui repose en position de route sur le wagon porte-flèche peut prendre une inclinaison quelconque, mais la stabilité de la grue de 50 tonnes augmente lorsque l'inclinaison diminue. La flèche est munie à son extrémité d'un petit crochet et environ aux deux tiers de sa longueur d'un gros crochet. Quand on fait travailler la grue avec le petit et le grand calage déployés, 5 calages, les charges maximales pour chaque portée sont identiques, dans le demi-plan horizontal qui comprend le grand calage. Ceci est valable pour le petit et le gros crochet. Avec le gros crochet, à la portée minimale de 4,90 m, en utilisant les 5 calages, la grue peut porter 50 tonnes dans le demi-plan horizontal comprenant le grand calage. À la portée maximale de 7,50 m avec les 4 calages, la grue peut porter 23 tonnes suivant l'axe de la voie et 16 tonnes en travers. À l'aide du petit crochet, à la portée minimale de 7,50 m, les 5 calages installés, la grue peut porter 22 tonnes dans le demi-plan horizontal, comprenant le grand calage. À la portée maximale de 12 mètres et pour 4 calages, la grue peut porter 12 tonnes suivant l'axe de la voie et 9 tonnes en travers. En fait, la sécurité du relevage repose sur l'unité de commandement, l'habileté et l'attention du conducteur de grue, car bien souvent, les véhicules déraillés sont profondément enterrés ou encastrés les uns dans les autres, et il est impossible, a priori, de définir la force maximale qui sera nécessaire pour dégager la charge. Toutes les opérations préliminaires connexes ont bien entendu été effectuées. Rectification de la voie à l'endroit de la grue pour avoir un dévers nul, échange du bulletin de sécurité, ripage ou démontage éventuel de la caténaire. L'opération de relevage s'effectue en deux temps. D'abord, redresser le wagon, pour cela fixer un câble qui contourne la caisse d'un seul côté. Puis tirer verticalement de ce seul côté. Ensuite, il faut lever, orienter et renrailler. Pendant toute l'opération, on surveille attentivement le comportement des griffes qui ne doivent pas être tendues et la stabilité des calages qui doivent toujours être serrés.
La grue de 85 tonnes est surtout destinée à opérer des relevages spéciaux d'engins moteurs ou de véhicules déraillés loin des voies et exigeant donc de grandes portées de flèches. Contrairement à la grue de 50 tonnes, elle est beaucoup plus stable pour les grandes inclinaisons et sa stabilité est maximum lorsque sa flèche est horizontale. C'est pour cette raison qu'en position de route, la flèche ne repose pas sur le wagon porte-flèche. Elle peut être remorquée à la vitesse de 80 km/h, mais seulement sur certaines lignes désignées dans une instruction générale MT25C. La grue de 85 tonnes repose sur un truc automoteur à 4 essieux. Dans la position de route, le poids de la grue est réparti entre le truc et deux bogies. La charge est transmise aux bogies par l'intermédiaire de bras qui, lors de la mise en batterie, servent au calage. Il y a ainsi à chaque angle du truc un bras orientable. L'ensemble pèse 125 tonnes, et pour éviter pendant la période de travail que le poids total repose sur les roues, deux vérins disposés de chaque côté du truc viennent prendre appui sur des calages. La grue comporte quatre calages d'angle, grand bras, et quatre calages intérieurs, vérins. Le wagon porte-flèche contient la plupart des agrès. La grue qui travaille le plus souvent avec tous ses calages dispose d'un gros crochet et d'un petit crochet. Vous allez assister au relevage d'une machine lourde de 80 tonnes. Cette locomotive a été choisie pour la démonstration parmi celles qui sont retirées du service. Deux précautions essentielles sont à prendre en plus de celles déjà indiquées pour la grue de 50 tonnes et concernant le dévernul et la protection de l'équipe. Premièrement, bien régler l'arrimage du véhicule déraillé pour que le centre de gravité de la charge soit à la verticale du crochet. Deuxièmement, surveillez le calage opposé à la charge, le grand bras ne devant pas s'appuyer sur le calage, mais en être distant de quelques centimètres. Ce calage dit calage du coup de fouet évite le basculage de la grue. Enfin, pour éviter que la charge tourne et provoque le vrillage du câble, des hommes de l'équipe de secours contrôlent la charge au moyen des lingues. Nogent-sur-Marne, l'immense brèche de plus de 200 mètres de long et de 25 mètres de haut devait être comblée par trois arches en béton armé de 80, 70 et 68 mètres de portée. Après les travaux de déblaiement et de fondation assez longs et pénibles, les travaux de construction furent entrepris activement à l'automne de 1945. De la benne du transporteur aérien, on embrasse tout le chantier. Les fondations sont terminées. Puis, l'on voit s'élever dans le ciel
une véritable toile d'araignée de tube métallique pour constituer l'échafaudage qui soutiendra les coffrages de la deuxième et de la troisième arche. Pour maintenir la navigation sous la première arche, on adopta la solution d'un immense cintre en bois prenant appui aux naissances des voûtes. Les éléments de base, montés d'abord verticalement, sont rabattus et soutenus par des bigues provisoires. La partie supérieure du cintre, préparée à l'avance, est amenée poutre par le transporteur aérien pour venir coiffer les deux éléments de base. Puis, les travaux de coffrage, de ferraillage et de coulage du béton se poursuivent normalement. Le 15 décembre 1946, l'ouvrage était complètement achevé. Débarrassé presque entièrement de ses coffrages, il apparaît avec toute la pureté de ses lignes. La cérémonie d'inauguration, présidée par le ministre des Travaux publics lui-même, souligne l'intérêt du rétablissement tant attendu de cet important ouvrage. En présence de personnalités du gouvernement, des syndicats de la Fédération nationale des cheminots et du directeur général de la SNCF, a lieu une manifestation à la mémoire des victimes de la guerre et l'inauguration de deux plaques commémoratives. Silence recueilli, la première plaque voilée de tricolore est découverte. Elle rappelle le départ forcé des martyrs de la déportation allemande. La seconde plaque commémore le retour des prisonniers et des rescapés des bagnes d'Outre-Rhin. Retour tant attendu par des milliers de familles françaises, dont beaucoup n'ont pas eu la joie de retrouver l'être cher à jamais disparu. Qui se succèdent stigmatisent les crimes allemands et évoquent en termes émouvants les sacrifices librement consentis par tous ceux qui voulurent aider à sauver la France. Après M. Tournemaine, c'est M. Jules Mock qui prend la parole. M. Maurice Thorez se lève à son tour et prononce un discours. Monsieur Laurent Casanova. Dans son allocution, Monsieur Le Maire, directeur général de la SNCF, dit toute son admiration pour ceux qui n'hésitèrent pas à donner leur vie pour sauver notre pays en péril. Il s'incline devant le grand sacrifice des cheminots qui, malgré le danger qu'ils couraient, détruisaient et sabotaient pour entraver les mouvements ennemis. Et devant le désastre de leur réseau démantelé, courageusement et en donnant le meilleur d'eux-mêmes, ceux qui avaient échappé à l'hécatombe se mirent au travail, car ils savaient que la vie même du pays dépendait d'eux. Dans la cour d'honneur de l'hôtel des Invalides, autour de laquelle toutes les reliques de l'épopée française sont conservées, dans cette cour austère où tant de héros sont venus chercher leurs récompenses, le gouverneur militaire de Paris vient remettre à notre directeur général, M. Le Maire, la cravate de la Légion d'honneur. Cette croix est le juste témoignage de reconnaissance du pays
Un homme qui, par son travail et son exemple, a contribué à la belle renommée des chemins de fer français.